Alors, le son est là. Est-ce que ça va? Son est yé. Son est zaraté. It's good now. Okay, I'll fix it later. This, I don't know what happened today. Okay. Alors, comme tout le monde a le son, merci. Vous êtes nombreux, merci beaucoup, chers compatriotes. C'est un plaisir d'être toujours avec vous de temps en temps. Vous savez, quelqu'un m'a dit que c'est devenu une religion. S'il n'y a pas d'information, les gens sont malades à la maison, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays-là. Les choses changent à chaque moment, il faut savoir. Quelle est la source qui peut vous renseigner? Je l'ai dit ici, tout le long de la semaine passée, il y a 65 ministres. Les gens, oh non, Moubenga, tu es trop pressé, tu fais des déclarations. J'ai dit, mes sources me disent, il y a 65 ministres. Pourquoi en faire? J'ai parlé même du terme budgétivore. 65 ministres. Même Kabila, pendant 18 ans, il n'a pas eu 65 ministres. Kabila là, qui a détruit le pays, il n'a jamais eu 65 ministres. Comment Tshisekedi accepte des choses comme ça, même si les gens vont négocier? Nous avons appris qu'on lui a amené 65 ministres, il a refusé, il a rabattu ça à 40 quelques. Mais comment aujourd'hui, ces gens vont signer l'accord pour confirmer que non, les 65 là qu'il avait refusé, on a ramené ça. Mes chers amis, il y a beaucoup de soucis à se faire. Dans un pays qui a un budget de 4 milliards, 4 milliards s'il vous plaît, vous avez 65 ministres, pourquoi faire ces ministres-là? Ils vont faire quel travail? On ne parle même pas de 30, même pas de 40. 65 ministres. Non, mais ça c'est... Nous avons atteint vraiment un niveau de... des choses, des fois, qu'on ne peut pas expliquer. La France a un budget de plus de 1000 milliards. Quand vous prenez la défense, vous prenez l'éducation, vous prenez le social, vous prenez la justice, vous prenez la culture. En France, hein, ils sont dans les 1000 milliards. Je vais vous dire, je vais vous lire la composition du gouvernement français. Est-ce que je peux retrouver ça? Je crois que beaucoup vous connaissez cet homme, n'est-ce pas? C'est lui le premier ministre, n'est-ce pas, français? Celui-là. Édouard Philippe. C'est lui le premier ministre. Maintenant, écoutez combien de ministères cet homme dirige. Premier ministre en France, avec un budget de plus de 1000 milliards. Ils ont 15 ministères. 15. Un pays qui a 500 fois notre budget. Combien? Non. 250 fois? Oui. Si nous avons 5 milliards et ils ont plus de 1000 milliards, donc notre budget, c'est à peu près 250 fois inférieur au budget de la France. Ils ont seulement 15 ministères des Affaires étrangères, ministère des Armées, ministère de l'Écologie et Solidarité, ministère de la Solidarité et de la Santé, ministère de l'Économie et des Finances, ministère du Travail, ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, ministère de l'Action et des Comptes publics, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche et de l'innovation. Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ministère d'Outre-mer, ministère de la culture, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ministère des sports. Point trait. Voilà les 15 ministères qui sont en France. Mes chers amis, 15 ministères. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Ministères seulement. J'ai parlé ici, j'ai dit il y aura 65 ministres. Les gens n'ont pas cru. Ah, c'est faux, c'est faux. Il n'y aura pas beaucoup comme ça. Et tu sais que dit n'est pas naïf. Vous verrez, vous parlez trop vite. Attendez. L'accord vient d'être signé. On a remis cet accord, on a remis la composition du gouvernement au premier ministre. 65 ministres. Maintenant, les gens qui m'ont dit non, il n'y aura pas 65 ministres, est-ce que vous pouvez encore avoir le courage de dire à Tshisekedi que le peuple n'est pas content? Le peuple n'est pas content. Nous sommes le pays le plus pauvre de la planète avec un budget de 5 milliards, 4 milliards. Et nous avons 65 ministres. Bandeko, tous à la rappelle Batuko, ayons quand même pitié de cette population-là. Déjà, la moitié de ce budget sera affectée au fonctionnement des institutions. La moitié. Vous prenez l'Assemblée nationale, vous prenez le Sénat, vous prenez la présidence, vous prenez la primature et tous les gouvernements, vous prenez la Cour constitutionnelle, tous ces services connexes, ils vont prendre. Même plus de 2 milliards. Parce que si on commence à compter ici, d'abord, les frais d'installation de chaque ministère. Chaque ministère, frais d'installation. Le matériel du bureau. Le mobilier. Le matériel roulant, c'est-à-dire les voitures. Les immobiliers, donc. Les bâtiments où le ministère va être installé. On doit repeindre, on doit modifier, on doit faire ceci. Parce qu'on avait, jusque-là, on n'a jamais eu 65 ministres, non? Donc il y a des ministères qui ne vont pas avoir de bâtiments. On devra trouver où on doit les caser. Chaque ministre, je l'ai prouvé ici la semaine passée, que chaque ministre en moyenne a 20 conseillers. Chaque ministre. À peu près 20 conseillers. Et chaque ministre a un cortège. À peu près de 3 voitures. La voiture du ministre, peut-être une autre voiture et la voiture des policiers. À peu près 3 voitures. Chaque ministre. Fois 65, vous aurez, juste pour les 65 ministres, l'air petit, hein, donc sa protection, donc une Jeep de la sécurité et sa Jeep, avec, je ne sais pas, au moins 3. Vous avez à peu près 1200 conseillers qui tous vont avoir aussi des voitures. 1200 conseillers. Un calcul simple, si on prend au conseiller des voitures moins chères, ça peut être autour de, je ne sais pas, 30 000 dollars. 1200 véhicules. Et tous les ministres là, on va vous dire non, c'est une Jeep de 65 000, 60 000 dollars. Vous multipliez par le nombre de ministres. Au Parlement, il y a 500 députés. Tous ces 500 députés, au mois de septembre, quand ils reviennent pour la session ordinaire du Parlement,
on va leur donner aussi des véhicules. 500 véhicules pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale. 108 pour le Sénat. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez? Tout votre petit budget là, de 4 milliards, sera bouffé déjà par ce qu'on appelle les frais de fonctionnement des institutions. On n'a pas encore mis leur salaire, les ministres, les députés, les conseillers, on n'a pas encore mis leur salaire. Non, ne parlez pas d'émotion, mon frère, ne me parlez pas d'émotion. Nous parlons des affaires de notre pays. C'est notre pays après tout. Ce n'est pas un pays d'un petit groupe de gens qui doivent se retrouver pour signer des accords, se partager les pouvoirs. Non. Ce n'est pas au nom de leur parti politique qu'ils doivent prendre en otage tout un pays comme ça. Est-ce qu'ils sont conscients, ils sont conséquents de la situation que le pays est en train de traverser? Il n'y a pas de route dans le pays. Vous allez voir que tous, ils ne vont pas rouler les voitures, ils vont rouler les jeeps parce qu'il n'y a pas de route. Comme il y a beaucoup de maboulou, beaucoup de trous dans le pays, ils ne vont pas acheter des voitures. Tous ces ministres-là, ils auront des jeeps pour faire face aux routes qui ne sont pas en bon état dans le pays. Ne dites pas que je suis en train de parler par émotion. Ce n'est pas l'émotion. Je vous fais comprendre, je vous fais réfléchir que les gens, les hommes normaux n'agiraient pas comme ça. Ils ne prendront pas 65 ministres dans un pays pauvre. Un pays qui n'a pas un budget. Je vous donne juste l'exemple de la France. Je ne parle pas des États-Unis. Les États-Unis, c'est à peu près 14, je crois, 14 ministres ici aux États-Unis. À peu près 14 ministres. C'est la défense, la justice, je crois, l'habitat, les affaires étrangères, l'agriculture. La justice, l'éducation nationale ici, 14 ministres ici aux États-Unis, un pays développé qui a un budget de plus de 3 000 milliards. Il faut comparer certaines choses, il ne faut pas dire non, vous parlez par émotion, ce n'est pas l'émotion. Il ne faut pas être fanatique parce que ce que Tshisekedi est en train de faire, ce n'est pas correct. C'est lui le président de la République. Il peut dire non, ça ne passe pas. Comment il laisse passer des choses comme ça? Parce que le FCC, regardez, quand lui accepte, n'est-ce pas? Le FCC se dit non, ce n'est pas nous, c'est le chef de l'État qui a accepté. Vous comprenez là où moi je suis, ça me fait mal. Parce que tout va tomber sur lui. Tout tombe sur lui. C'est lui le responsable, c'est lui qui va répondre devant le peuple. Le FCC va dire, oh non, écoutez, vous avez dit que nous, on a mal géré, nous n'avons rien fait. Mais lui, nous, on a fait 18 ans, on n'a jamais eu 65 ministres. Il vient d'accepter 65 ministres. Parce que c'est eux qui l'ont forcé la main. Regardez, eux-mêmes se sont taillés la part du lion. Le FCC qui a déjà le gouvernorat. Hein? Donc, ils contrôlent le gouvernorat. Ils ont tous les gouverneurs presque, à 85%. Ce sont les gouverneurs FCC. Ils contrôlent toutes les assemblées provinciales. Ils contrôlent le Sénat, le Parlement, l'Assemblée nationale. Ils contrôlent la primature. Mais comment ces FCC peut encore s'arroger le droit de prendre beaucoup de ministères comme ça? Je l'ai dit ici, j'ai conseillé dans une de mes vidéos il y a 2 ou 3 jours. J'ai dit le président Félix, l'accord ça va, ils sont dans leur... truc d'alliance, c'est pas mauvais. Il y a des raisons, voilà, ils n'ont pas de majorité. On accepte. Mais je dis ceci, dans les partages, les FCC a 70 contre 30. C'est le pourcentage, n'est-ce pas? Ok, on garde le même pourcentage, 70 contre 30. On diminue le nombre de ministères. Parce que c'est le FCC qui va perdre dans cette histoire-là. Le FCC a besoin de tous ces ministères-là pour récompenser beaucoup de chefs de partis politiques qui sont dans la plateforme-là FCC.
Il y a beaucoup de gens qui attendent. Les Steve Mbika et les autres, tous ces gens-là, ils attendent qu'ils puissent être récompensés, qu'ils se retrouvent au gouvernement. Si Tshisekedi disait non, j'ai besoin d'un gouvernement de 30 personnes. Beaucoup de ministères, là, on compile, là, comme je viens de dire, de lire ici. Vous avez vu, n'est-ce pas? En France, on met 2-3 ministères ensemble. J'ai dit, on met 3 ministères ensemble, on... Maintenant, en dessous là-bas du ministre, on met 3 secrétaires généraux. Un secrétaire général des finances, un secrétaire général de l'économie, un secrétaire général du budget. Parce que les ministres, là, ils ne travaillent pas. Ce n'est pas eux qui travaillent. Ce sont des fonctions politiques. Le vrai travail se fait dans l'administration. Ce sont les secrétaires généraux là, qui font le grand du travail. Les ministres, là, ce sont des fonctions politique, ce sont des récompenses parce que tu m'as soutenu à la campagne, aux élections. Bon, voilà, j'ai gagné, tu te retrouves. Ça se passe partout dans le monde. Mais maintenant, chez nous, on ne va pas récompenser tout le monde parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement de 65 personnes. On ne peut pas avoir un gouvernement de 65 personnes. 60, est-ce que vous imaginez Tshisekedi sera là avec le Premier ministre, et derrière eux, il y aura 65 personnes. Papa, est-ce que vous avez eu Kalikambwana? C'est comme les Sangaya Bandoki, c'est comme si c'est une association de sorciers qui seront derrière là en train de... Ils vont faire quel travail? 65 personnes. Quel travail? Bon, moi, j'ai dit peut-être ils ont inventé de nouveaux projets. Ils ont inventé de nouveaux... ministères, peut-être ministère des routes, ministère de la forêt, ministère du vent, ministère du soleil, ministère de la pluie, ministère des villages, le ministère des hommes, ministère des femmes, ministère des enfants, ministère de quoi? Des boîtes de nuit? Parce que je ne comprends pas. Quels sont les ministères? Dans un pays, il y a la justice. Dans un pays, il y a la défense. Dans un pays, il y a l'intérieur. Dans un pays, il y a les affaires étrangères. Dans un pays, il y a l'économie. Il y a les finances. Il y a les budgets. Dans un pays, il y a la fonction publique. Dans un pays, il y a la santé, l'enseignement supérieur et universitaire. Donc l'éducation nationale, ça peut englober tout l'enseignement, et primaire, et secondaire, et universitaire, ensemble. Mais à part ce ministère que je viens de citer ici, ministère de culture et art et sport, quels sont les autres ministères qu'on a créés chez nous? Ne soyez pas pressés, hein? La liste est déjà entre les mains du Premier ministre, vous allez écouter vous-même. Moi, quand même Kabila avait mis ministère de Congolais de la diaspora, j'ai dit, ça vraiment, ce pays n'a pas de la chance. Comment on peut mettre, il y a déjà les affaires étrangères qui existent. Comment on peut encore créer un ministère des Congolais de l'étranger? On crée un ministère des droits humains, pendant qu'il y a un ministère de la justice. On crée un ministère des relations avec le Parlement. Est-ce que vous comprenez? C'est des ministères comme ça qui n'ont pas leur place. Soyons, aimons notre pays. Ne soyons pas fanatiques. Disons quand c'est bon, disons c'est bon. Quand ce n'est pas bon, disons que ce n'est pas bon. C'est de cette manière-là que nous pouvons aider notre chef. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi faire? Vous pensez même les Américains ici seront contents de Tshisekedi? Je ne sais pas si vous avez constaté que ça fait déjà quelques temps, l'ambassadeur américain là ne fait plus ses apparitions et tout ça. Il n'y a plus beaucoup de déclarations. C'est comme s'ils sont en train d'observer maintenant ce qui se passe chez nous. Les Américains, n'est-ce pas, qui sont venus en pompe, qui veulent faire des choses avec Tshisekedi. Regardez le mois de juillet ici. Si vous avez fait vraiment attention, on n'a pas senti beaucoup de choses. À la place, c'est Tshisekedi qui a envoyé quelqu'un ici.
C'était chaque semaine, hein, il y avait toujours quelqu'un qui venait au Congo. C'était, hein, ils étaient très, 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 très chauds, très motivés. Mais apparemment, il y a une sorte de réticence ou ralentissement dans les relations. Je ne dis pas que c'est, ils ont coupé, non, non, c'est un partenariat. Je sais qu'ils s'est engagé à Washington et ils vont continuer leur partenariat. Mais quand vous êtes dans un partenariat, il y a des conditions, n'est-ce pas? Monsieur, nous voulons ça, nous voulons ça. Nous aussi, nous attendons de vous ça, nous attendons ça. Quand ces gens-là, ils viennent, ils font leur part. Et de l'autre part, on sent qu'il y a quelque chose qui ne semble pas aller dans. Alors, ils se disent, bon, attendez, ne faisons pas trop de déclarations. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer. Ils ont donné dernièrement 30 millions de dollars, quelque chose pour Ebola, tout ça. Ils sont là. Mais vraiment, le rythme-là a un peu baissé. Voir ce qui s'est passé avec Thabo Mwamba. Ils ont dit la démocratie, vive la démocratie. Mais maintenant, ils vont voir dans un pays qui n'est pas capable de payer correctement les fonctionnaires. Où les fonctionnaires de l'État sont traités comme des torchons. Un huissier. De l'État congolais n'a même pas 100 dollars. Un huissier. Donc, le planton là que vous voyez quand vous sortez dans les grands bureaux, là, vous voyez quelqu'un dehors là, ou la porte, à la porte là. Oui, ces gens-là. Ils n'ont même pas 100 dollars. Nos policiers n'ont même pas 100 dollars par mois. Mais vous voyez un pays comme ça, on met 65 personnes. Excellence, 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 excellence. N'oubliez pas que le cabinet du chef de l'État, il y a aussi à peu près 100, une centaine, je ne sais pas bien le nombre, c'est autour de 100, de 100 à 150 personnes qu'on appelle conseillers. C'est un gouvernement parallèle au gouvernement au gouvernement congolais. Parce que tout ce que les ministres là font, c'est représenté aussi autour du chef de l'État. Il y a un conseiller en matière d'infrastructure, un conseiller diplomatique, hein, qui est pratiquement comme... C'est comme s'il fait le travail aussi du ministre des Affaires étrangères. Vous avez un conseiller, je ne sais pas, ministre de la Défense, ministre, conseiller militaire. C'est comme un ministre de la Défense. Donc, vous avez tous ces gens qui sont représentés dans les cabinets du chef de l'État. Chers amis, quand vous faites la sommation des salaires de tous ces gens dans les institutions, le pays n'a pas de chance. On n'a pas un budget, disons. Nous courons encore derrière la BAD, derrière le FMI, tout ça pour avoir les miettes. Le FMI doit vous faire passer par les tamis, hein, pour checker un peu. Est-ce qu'ils passent par les tamis ou ils ne peuvent pas passer? C'est-à-dire on va vous auditer, on va regarder les comptes du trésor, on va regarder les niveaux d'endettement. Tous ces... Ils passent au peigne fin, ils regardent l'assainissement de vos finances publiques, ça, quel niveau, c'est quelle proportion. Quand vous répondez à leurs critères, et là, par rapport, bien sûr, à la production du pays, ils vous accordent 300 millions. 300 millions, c'est quoi? Si nous cherchons encore 300 millions au FMI, si nous cherchons encore que la BAD vienne nous faire Inga et tout ça. Mais nous-mêmes, nos ressources propres, nous pouvons mobiliser pour l'année prochaine 8 milliards. C'est ce qui a été prévu. C'est une prévision budgétaire, ce n'est pas l'argent qui... Oh non, mais l'année prochaine, il y aura 8 milliards. Nous n'avons pas encore ça. C'est une prévision. On a dit, bon, ça va, compte tenu des... Parce que nous, ce que nous exportons,
ce qui nous ramène un peu beaucoup d'argent, ce sont nos minéraux, n'est-ce pas? La vente de nos minéraux. Nous n'avons pas l'agriculture. L'agriculture, là, c'est un ministère qui existe, mais l'agriculture n'existe pas. Parce que notre pays ne bénéficie presque rien de l'agriculture. Un peu d'agriculture qui est à l'est du Congo, avec les cafés. Les cafés, ça passe, c'est déclaré à partir du Rwanda. Parce que chez nous, il y a tracasserie, il y a beaucoup de frais, il y a ceci. Alors nos frères Bandande, ou bien Bandande, comme on appelle, ils prennent leur café, tout ça, les thés, ils font sortir ça, et ça se fait soit en Ouganda, au Rwanda ou au Kenya. On voit pays d'origine, la RDC, ça c'est ici aux États-Unis, hein. On voit café, pays d'origine, RDC, mais pays d'exportation, Rwanda. Notre ministère de la Santé, de l'Agriculture ne fait rien, ils n'ont rien. Donc vous comprenez, c'est un problème très sérieux que de voir des responsables du pays prendre des choses à la légère comme ça. Parce qu'ils n'ont pas une explication à nous donner. Il n'y a pas un ministre parmi les 65 là qui fera les bénévolat pour dire non, moi j'aime le Congo, je suis patriote, je travaillerai comme volontaire, ne me payez pas. Non, il n'y en a pas. Dès qu'on annonce tellement la liste là, ministre de l'Éducation nationale, X et Y, ministre des Travaux publics, X et Y, ministre de la Défense, X et Y, vous verrez combien il y aura bazotia bato poudre. On va jeter des poudres sur des familles de tous ces gens-là qui sont ministres. Pourquoi? Parce que ils se frottent les mains. Ils disent quoi tu quoi tu. Bisopé oyza tourne à biso. Est-ce que vous comprenez? C'est l'occasion maintenant que ces gens-là, comme tu sais que Dieu a exigé qu'il n'y ait pas des anciens de l'ancien gouvernement. Donc les nouveaux qui viendront, c'était peut-être un chef de travaux à l'INIKIN. Il s'est retrouvé à l'UNC, il sera ministre. Oui. Vous savez, il va amener les siens. Son neveu qui est à Bounia viendra à Kinshasa. Nzambe nangai. Aïe. Son cousin là, qui est à Ngandangik, sera à Kinshasa pour être chauffeur. Oui. Oh non, on ne peut pas mettre le chauffeur n'importe qui. Vraiment, il faut la famille. Ça, c'est le conseil familial. Tu es maintenant ministre, il faut prendre les tiens, comme on dit. Sa cousine qui vient d'avoir le diplôme de graduat en sciences médicales, elle sera la secrétaire particulière au ministère de l'économie. Elle ne comprend rien de l'économie. Elle sera là, parce que c'est leur tour. Est-ce que vous comprenez? Et ça, nos dirigeants doivent être, ils doivent avoir la compassion du peuple. Le budget n'est pas conséquent pour prendre une grande charge comme ça de l'État. L'armée n'est pas bien payée, la police n'est pas bien payée. Les sénateurs et les sénateurs ont autour de 18 000 dollars les mois. Pour quel travail? Au Sénégal, on a supprimé le Sénat. C'est budgétivore. Ils font quoi? Tous ces vieux, ils sont en train de somnoler là-bas, ils dorment là-bas, ils font quoi? Ils sont restés avec l'Assemblée nationale. Au Sénégal, hein, des pays qui sont conséquents, qui comprennent ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de tout ça. Tu sais qu'il peut être là avec 10 ministres et diriger tous ces pays-là. Je dis bien 10 ministres. Le président de la République, avec son premier ministre, avec 10 ministres, il dirige le pays. Parce qu'il y a déjà les gouverneurs. Dans chaque ville, il y a un gouverneur, il y a des bourgmestres. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites au niveau, hein, au niveau de chaque entité. Au niveau national, c'est une centralisation. Un ministre, c'est juste une fonction politique. C'est lui qui prend la politique du chef de l'État
Donc, son projet de société, dans les volets, par exemple, de la santé, qu'est-ce que le président de la République avait promis à la population dans son projet de société, dans ce programme de campagne? Qu'est-ce qu'il avait promis? Nous allons faire ceci, nous allons construire 1000 centres de santé en raison de chaque 50 km, un centre de santé. Ce ministre-là va maintenant convoquer les états généraux de la santé. Quand il est ministre, il fait ses programmes, il calque la vision du chef de l'État dans son programme d'action. Et ça va être implémenté au niveau central jusqu'au niveau sectoriel, jusqu'à la base. Ça sera facile. On n'a pas besoin de multiplier les nombres. Demain, quand on va remanier ce gouvernement, peut-être on aura 90 ministres. Parce qu'il y aura encore des problèmes. Peut-être la Mouka viendra. Bon, voilà, nous aussi, il faut nous tailler aussi une place. On va avoir 90 ministres. C'est une honte pour la République. Je dis, c'est une honte pour notre République. Le président Félix Tshisekedi, il vient d'une école de 37 ans de lutte. Ce n'est pas pour venir récompenser tous ces voleurs d'hier de Kabila, leur permettre de revenir encore en force, 42 ministres. Vous imaginez? Donc le peuple congolais doit encore garder son souffle. Ils vont encore voir 42 personnes que Kabila a créé, comme Lambert Mende dit, c'est Kabila, c'est le créateur, il a ses créatures. Donc 42 créatures vont encore nous pourrir la vie dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Ils vont nous pourrir la vie dans ce pays-là. Ils seront dans toutes les boîtes de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nous sommes majoritaires au Parlement, c'est pourquoi nous sommes là. Tu sais qu'il ne fera rien. Ils sont hautains, ils sont orgueilleux, ils sont impolis, tous ces gens. Ils ne respectent pas parce qu'ils se disent, nous avons notre majorité. Quand nous disons ça, oh, tu es émotif, ce n'est pas l'émotion. Quelqu'un qui a l'émotion parle comme je parle là. Ça fait partie de l'intelligence humaine. J'ai fait tourner mon cerveau. Vous m'avez vu en train de lire quelque part. Tout ce que j'ai dit là, ça sort de mon cerveau. Ce n'est pas de l'émotion. Il faut être... il faut anticiper des choses. J'avais déjà anticipé. Je vous ai dit, attention, attention, peuple congolais, il y a 65, ces gens, le cabinet Molili du FCC est en train de concocter quelque chose pour Bassimissa Félix se touche. Ah ben c'est lui qui a la signature. S'il avait refusé, nous on ne pouvait pas le forcer. Effectivement, Félix avait refusé 65 personnes. Il dit non, ça c'est monstrueux. Allez revoir, allez un peu diminuer. Bazongi, je vous ai dit que même hier, Kabila est allé encore forcer la main à Tshisekedi pour dire non, il faut laisser les choses. Regardez, nous avons quand même, c'est maintenant équilibré au Sénat, il y a Badibanga. Nous avons accepté, on a sacrifié Bouchab. On l'a sacrifié pour que vous soyez aussi là. Hein? En politique, c'est les intérêts. Nous aussi, nous avons besoin que vous puissiez accepter. C'est après ça, après cette rencontre avec Kabila, hein, donc vraiment dans le privé, que l'accord a été finalement conclu. Et ils viennent de signer. Kabund a signé pour Cash. Et Mouilania a signé pour le FCC. Donc, il n'y a plus rien à dire. Nous aurons 65 ministres. Oh non, il y a des vice-ministres. Ce sont des ministres. Vice-ministre, c'est quoi? C'est un ministre. Vous croyez que vice-ministre est moins qu'un ministre? Ils sont tous ministres. Est-ce que vous comprenez? C'est pas bon. Même par l'image du pays, c'est pas bon. Le pays est confronté par tous ces problèmes d'insécurité à l'est du Congo. Ebola, tout ça, la pauvreté. Je vous dis, mes chers amis, il y a des coins au Congo. Un seul stylo pour toute l'école.
Je dis bien un seul stylo. On utilise ça pour toute l'école. Au Congo, notre pays, pendant ce temps-là, les politiciens se partagent l'argent à Kinshasa et sacrifient toute une génération de personnes qui seront illettrées, ignorants et leur avenir condamné. Ça, c'est un assassinat volontaire. Parce que quand vous ne donnez pas à un être humain l'éducation, vous êtes en train de le tuer. Des fois, ça nous fait mal. Quand nous voyons nos musiciens là, ils vous parlent un mauvais français. Ce n'est pas leur faute. C'est nos politiciens. Les sciences sataniques où ils sont entrés, la plupart, ils n'ont plus le cœur humain. Ils n'ont plus la sensibilité de la souffrance des autres. C'est eux, et eux seuls, c'est eux qui doivent régner. Ils doivent être dans de belles jeeps, ils doivent avoir 50 parcelles. Vous verrez combien les parcelles Bako Sombaouna Tembe. Ces derniers temps, 65 ministres à Kinshasa. Ah, les parcelles vont encore augmenter de prix. Pas tous ces gens-là vont se dire, non, écoutez, à Lopangwana, 100 000. Le ministre va payer 100 000. Vous vous posez la question, le ministre ici, il a quel salaire pour acheter cash une parcelle à 100 000 dollars. Et deux mois plus tard, dans cette parcelle qui était, il y avait une petite maison, on commence à mettre un immeuble. Vous vous posez la question. Ça sera toujours comme ça? Nous avons attendu le changement. Est-ce que c'est ça, le changement? Si on ne peut pas vraiment comprendre ce que nous donnons comme conseil, nous nous limitons au niveau de donner les conseils. Ce sont des mauvais signaux. On va dire non, il faut patienter, il faut passer. Jusqu'où? Ces gens prennent 65 ministères et ils imposent à 80 millions d'habitants. Nous avons déjà combien? On a déjà 26 provinces, n'est-ce pas? 26 provinces. Hein? Les gens, des gouverneurs, des assemblées. Tu vois tout ça, c'est les dépenses de l'État. Parce que toutes ces assemblées provinciales, Bafoutakabango, nous avons 937 députés provinciaux. 937 députés provinciaux. Les députés provinciaux ont 6 000 dollars. 937 députés provinciaux. Chaque mois, on doit les payer. Est-ce que vous avez besoin de vous? Députés provinciaux pour l'étendue du territoire national. Ils ont 6 000 dollars de salaire. C'est toujours l'État. Oui, c'est le fonds. Ça fait partie des frais donc les budgets alloués aux institutions. C'est une institution, les assemblées provinciales. Vous avez compris? Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne sert à rien même d'avoir les élections locales et tout ça. Oh non, les conseillers municipaux. Non. Pour l'instant, qu'on arrête. Parce qu'il y a déjà trop d'institutions, beaucoup d'institutions, qui prennent toujours l'argent de l'État. Bouchala Bouamba na Chabouloukou Fobanto. C'est ça mon nom. Vous avez compris? Mon nom. Je m'appelle Bouchala Bouamba na Chabouloukou Fobanto. C'était un rêve, n'est-ce pas? Quand je parlais de 65, regardez dans le titre de mes émissions. Il y a une émission où j'avais dit 65 ministres. Aujourd'hui, ce n'est plus Mobenga qui spécule. C'est une vérité. Bolanda qui est en direct.
ça y est encore sur le net. Kabound a signé à l'objet, oui, oui. Moi, avec l'IDPS, j'engage l'IDPS. Nous sommes d'accord que notre pays ait 65 ministres. Vous direz que vous n'étiez pas au courant. Bogolo baboye bagite. Quand nous disons qu'il faut anticiper, vous ne voulez pas. Maintenant qu'il y aura 65 ministres, maintenant vous allez mobiliser les gens pour faire la rue. Non, 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 non. Ça c'est de l'hypocrisie. Il faut stopper ces gens avant qu'ils ne fassent ces histoires. Pour leur dire, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Ce sont les impôts de notre pays qui serviront à financer toutes vos histoires-là. Donc, alors, vous devez nous respecter. Si on ne peut pas respecter le peuple, si le peuple respecte son bourreau, alors ça ne sert à rien de continuer à vous plaindre. Vous acceptez votre sort. Nous sommes à l'extérieur. Nous pouvons avoir notre petit salaire et vivre avec nos enfants. Ça suffit. Nous le disons pour que vous qui êtes là-bas, vous puissiez barrer la route à ces gens-là. Ils vous prennent en otage. 65 ministres, hein, c'est pas mauvais. Quand on a des milliards et des milliards et des milliards dans le pays. Mais c'est mauvais et c'est... Hein, c'est... Quel est le terme? Il y a un terme qui explique bien ce que je voulais dire là. Oh là là, le cerveau est bouché. Il y a congestion, les mots sont en train de se succéder dans la tête. C'est immoral, voilà. C'est immoral d'avoir 65 ministres dans notre pays. C'est immoral, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas un autre mot plus que ça. Parce que dans la moralité, vous ne ferez pas ça. Vous savez que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Vous devez être modeste. Dire non, par rapport à notre pays, nous avons beaucoup de priorités. Nous avons beaucoup d'urgences. On réduit le format du gouvernement. Vous gardez 70% pour FCC, 30% pour cash, mais vous mettez 30 ministres. Vous comprenez, n'est-ce pas? 30 ministres. Ce qui veut dire que le FCC pourra se retrouver peut-être avec 18... Non, comment? 30% c'est combien de 30? Donc, 9 ministres du cash et 21 du FCC. Ça serait quand même raisonnable. On se dit, oui, ils sont... Donc, ils sont conscients de la situation. Regardez, même la taille du gouvernement, 30 ministres, c'est bon. Même si les FCC, là, 21 ministres, les cash en F, ça va. Les autres alliés qui sont dans cash, qui ne vont pas être ministres, là, on leur trouve des places à l'ONATRA, à, je sais pas, à l'OFIDA. Hein? Il y a des entreprises, on n'a pas dit que tout le monde, on doit remercier tout le monde à être ministre. C'est là où on a piégé Tshisekedi. On l'a piégé à ce niveau-là. Non, monsieur le président, si vous diminuez la liste, vous voyez, nous avons aussi, derrière nous, il y a des gens qui espèrent. Non, ça, c'est pas le problème de Tshisekedi. C'est pas, on ne va pas faire 500 ministres, non. On ne peut pas mettre beaucoup de gens pour peser beaucoup sur les pays. Voilà.
En tout cas, j'ai voulu vous donner mon point de vue sur cette histoire des 65 députés et 65 ministres. C'est une honte et c'est immoral. C'est une honte et c'est immoral. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est eux qui dirigent le pays. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, le peuple, ne sommes pas d'accord. Ce gouvernement-là ne travaillera pas pour nous. C'est un gouvernement de gens qui viennent prendre l'argent du pays, les salaires, les frais d'émission et tous ces frais d'installation, toutes ces histoires de... Ça ne sert à rien. Nous allons encore attendre un peu pour longtemps. Quand ça marchera, nous vous dirons que ça marche. Chaque fois que ça ne sera pas la volonté du peuple, nous serons là pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Merci. Et bien, nous avons dit que 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 nous qui malumim pato nous dira nous bim manan banto yeya to nous nous enza bib nous mutu mamuchina ye kavuma kuita ba malu abwenato kavuma kuita ba bamu imposer bantu bunyinu kuto nous elle menji bwani malaba ye kachi mubukele ngato to to bantu pinga mu ditungam kono ambia no bolu mnyeye to nous tayi le bwani to to bon su bubana mwana kasai tu bi kale deja mu bolu ebu nuko. Ni batu voulu jebwani nouvu ni bukelenga no kenza na buchinyi bibitu enza ni bundu okutana bwani byonso bitu twenza malonso ndinga kula bwani chene mushindo kumupeta kayende to tukale tuwa kula ku bisange ikale umvwa amuna na shimushindo aye ku kufwekesha ko kunene ebibitu anga tshe bibi ni twamba chinyi ni twambila bantu chinyi tukatupanga ni mushindo kumwa kuila. Ukaduke bas mushindo wa kusokoma musokoma me wo monene du musokoma bantu monanyima ba monene ya mono du dilege ni musokoma ta bantu so ba mon bion so bis bibi twenza ni lusa ye muita ba bantu ba fatuka makumi ya sambo ni tano kabya kukala bi mpato nwenu mo kuambile ko kumwane tu bwane nwenu ba nenda pa bwipi kumwambile bwane to. Okwona kuita ba byonso bidimo na balume wewe udumumbu kambukelenga wenza to utano kuambile chuita yeye mwenza bidimo jikwin mwanda mukulu munyanga jitungaji lelwe ukadu lubo kukutuma wewe bwana yikubwela kana mmalu endawo ujini bantu fanyi mpepe bapita bunyi benga malwa duamba. Bien sûr, on est bloqué. Il y a des gens qui sont bloqués. 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 Il y a des gens qui sont Toto ababa nungu, tukadiba babuela kanene bantu bena kongo wabubonsu. Baku leto benza bionsu. Bena kasai bonsu, nibikala mukantu kaluka, mudutungamu. Fumu, waditunga bidu wikengela, ajuka kutulu. Malwa nukweo, adimu waku, kukebe malwa wabunyi, mudutungu. Ni chisumbu cha IDPS. Nous avons battu les bimpato. Tu tiens de chia, coudi djika. A de chisumba, ba chijika, coudi mon abalumeo. C'est un magneto. C'est un magneto quoi, j'ai ambat. Boalu, bantu bon soumoukon, babbe, bateke mena chisumbu chai de pes. Bibienze kebia binuko. A du squa kulaku, nunu ba, tout va mania, bibienze kato. Bantu makumia sambo munatan. Boulot bougie, ma chère, ma chère, ma
ni bantu makumi asambu mbu batanu bikalaba ministre to. Zambi atukwachisha. Avec Dieu, nous vaincrons.